Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fabrice Bonifay. Comment tu vas, Fabrice? Mieux que l'humanité, hein. Donc là, je vais très bien. Tant mieux. Moi aussi, je vais très bien. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de sujets qui sont complémentaires avec d'autres épisodes que j'ai pu faire avec Walter Bouvet, notamment sur l'entreprise régénérative, avec Pierre Perretou. Sur les antagonismes business-climat aussi récemment, où je vous mettrai les liens bien entendu des épisodes en description. Mais aujourd'hui, on va parler d'autres sujets, bien entendu, qui te ressemblent avec toutes tes expertises de RSE, d'entreprise contributive, d'économie de la fonctionnalité, plein de mots-clés qu'on va définir aujourd'hui et qu'on va essayer de discuter pour comprendre comment agir et comment trouver les solutions à notre échelle, que ce soit d'un point de vue business, mais également citoyen ou politique. Bref, on va en parler aujourd'hui. Mais avant de démarrer, Fabrice, je vais te demander de te présenter. Donc, qui es-tu? Ben, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues depuis 16 ans dans cette fonction-là. Et donc l'un des plus anciens du CAC, a priori. Et puis aussi président du collège des directeurs développement durable, le C3D, hein, qui regroupe presque 300 entreprises, essentiellement des grandes entreprises. Et puis administrateur du think tank The Project, présidé par Jean-Marc Jancovici depuis l'origine. Et puis, effectivement, co-auteur de l'entreprise contributive Concilier Monde des Affaires et Limites Planétaires, que j'ai co-écrit avec Céline Pufardi-Juilly en 2021 et qui est sorti aux éditions Dunod. Avant de parler du sujet d'entreprise contributive, je voulais juste savoir, comme tu as pu le dire dans l'intro, l'un des premiers directeurs du développement durable du CAC, comme tu pouvais le dire, sûrement l'un des premiers. Comment ça s'est passé à cette époque-là? Pourquoi vous avez décidé? Comment toi, de ton côté, tu t'es lancé sur ce sujet-là? Bah, comme dirait l'autre, on y vient par opportunité, puis on y reste souvent par conviction. Hein, si on prend le temps de se former, ça devient vite passionnant, ce sujet-là. Et je suis arrivé un petit peu par hasard quand même. Hein, c'est ça la vie, en réalité. Moi, j'étais directeur environnement dans ma première vie, dans une filiale du groupe Bouygues. Et lorsque Al Gore a sorti son film Une vérité qui dérange en 2006, ça nous a un peu perturbés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la foulée, il y a eu un truc qui s'appelait le Grenelle de l'environnement, qui était un grand raout que Sarkozy s'était engagé à mettre en place suite à son élection, parce qu'il avait signé le pacte écologique que Hulot avait fait signer à tous les candidats. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question au niveau du groupe Bouygues de mettre en œuvre une démarche pour essayer de fédérer les différentes filiales du groupe autour de cette composante développement durable qui était naissante en fait dans les entreprises, même si le concept a été inventé bien avant, mais dans les entreprises il ne se passait pas grand-chose. Et c'est comme ça que cette direction a été créée, ils me l'ont confiée, et depuis on a fait plein de choses, même si il reste encore l'essentiel à faire. Quand tu dis on a eu ce déclic-là, c'est toi de ton côté qui l'as eu personnellement et ensuite tu l'as adapté chez Bouygues ou c'est Non, vous non, l'avez c'est regardé, dis enfin, ouais. la direction générale du groupe qui a décidé de créer cette fonction. Moi, je ne pouvais pas m'auto-déclarer directeur du groupe Bouygues. C'était une décision de direction générale et ils m'ont confié cette mission. Mais c'était une décision concertée, voulue par l'ADG à l'époque, d'accélérer un petit peu sur cette thématique. Il était temps de le faire. Et c'est à ce moment-là que toutes les directions durables, d'ailleurs, ont été créées ou peu de temps après. Hein. On a été dans les premiers, mais on est né aussi en même temps que la régulation, en réalité. Hein. Donc la régulation sur ce sujet a commencé véritablement à progresser à partir de 2000, 2012, lors de la sortie des premiers décrets issus du Grenelle de l'environnement, et notamment le fameux décret. Enfin, le fameux article, plus exactement, article 225 du Grenelle 2, qui demandait aux entreprises d'établir un reporting sérieux sur les sujets de la RSE. Et c'est la première fois que les entreprises ont dû rendre des comptes, en fait, à leur partie prenante au travers ce reporting, même si la loi NRE de 2003 demandait déjà des éléments de cette nature, mais avec un niveau d'application et d'implication des entreprises qui n'était pas satisfaisant. À partir de 2012, les choses se sont notablement accélérées.
entre le moment où tu deviens du coup directeur développement durable, que ce sujet-là émerge au point de au sein de Bouygues, et le ton engagement, la direction du C3D dont tu parlais aussi juste avant, et le livre dans lequel on va aussi discuter, sur lequel on va discuter aussi l'entreprise contributive. Quel est ton chemin et quel est le chemin que tu vois, disons, des entreprises depuis cette période-là? Bah, disons que aujourd'hui, les entreprises, d'une façon générale, restent encore majoritairement dans une approche de mise en conformité par rapport à un empilement réglementaire qui s'accélère ces derniers temps, parce que précisément le marché n'a pas su s'autoréguler sur ces questions-là. Bon, c'était hautement prévisible, mais enfin là maintenant, on le sait. Et donc l'approche RSE. Enfin, ça s'est appelé RSE lorsque la norme ISO 26000 est sortie, donc au début des années 2010, parce qu'avant ça s'appelait développement durable, a consisté depuis cette date essentiellement à courir après la réglementation en réalité. Hein. C'est quand l'entreprise bah, établit son bilan carbone, met en place donc les 42 thématiques là, de l'article 225. Que ce soit sur les trois composantes environnementales, la gouvernance et le social, le sociétal. Donc, on a été longtemps des directions de la conformité, en réalité, hein, des directions de la conformité, à l'instar de ce que le juridique peut faire sur l'anticorruption, l'éthique, etc. Donc, ce n'est que depuis, allez, 4 ou 5 ans que la dimension stratégique de cette fonction commence à émerger, stratégique au sens où on a compris que la régulation, la mise en conformité ne suffirait pas à inverser les trajectoires qui sont les trajectoires d'impact qui sont aujourd'hui incompatibles avec le temps long et les fameuses limites planétaires. Donc là, on commence à voir arriver dans les entreprises une nouvelle forme d'exercer la RSE qui se reconcentre. Qui se recentre sur la transformation des modèles d'affaires. C'est comment arriver à créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Donc là, on est aux prémices de ça, on est au début de ça, et toutes les directions RSE ne sont pas en charge de cette thématique. Mais c'est ça qui est le plus important. C'est pas simplement d'être conforme à des lois définies par des hommes, c'est de se conformer par rapport à des lois indépassables qu'on appelle les limites planétaires. Alors c'est ça qu'il faut pouvoir arriver à mettre en place. Et ça passe forcément par une refondation, une reconfiguration, une transformation, une transition, tu appelles ça comme tu veux, des modèles d'affaires des entreprises. Donc ça veut dire, bah, OK, il faut continuer de faire du business, sinon ça va s'arrêter assez vite, mais pas sous n'importe quelle condition en termes d'impact écologique et social. Et donc, c'est de prendre en compte ces impacts pour arriver à créer de la valeur économique sans impact négatif, j'entends. Et ça, comme on ne l'a jamais fait, aucune entreprise n'a jamais fait ça réellement, à part les pionniers, mais ça reste anecdotique à l'échelle planétaire. Bah, on a tout à inventer, et notamment le modèle d'affaires qui sous-tend tout ça, qui est un modèle de la fonctionnalité, on en reparlera, je pense. Qui a cette vertu de continuer d'apporter des services essentiels, mais avec une empreinte écologique qui est bien moindre. Donc c'est ça qu'il faut arriver à pousser. Alors est-ce qu'on va arriver à continuer de gagner de l'argent avec ce modèle-là? De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Il va falloir qu'on arrive à le faire. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à le faire dans un horizon temporel qui est maintenant extrêmement court, compte tenu du temps qui nous reste pour maintenir le climat dans un état qui nous permettra d'envisager un avenir pour nos enfants. Quand tu parles, comme tu disais, ouais, les entreprises qui suivent les normes et les différentes lois, etc., pour, enfin, disons qui subissent plus les lois et qui se retrouvent du coup à faire des actions par rapport à ces lois-là, par rapport à la législation, et par rapport et en parallèle plutôt ce qu'on a aujourd'hui et ce que la majorité des directions RSE souhaitent de se baser sur les limites planétaires et toutes les théories qu'on peut avoir dessus économiques. Ce passage de l'un à l'autre, vu qu'en plus toi tu es directeur du coup du C3D, donc
si je me trompe pas, donc de la partie vraiment de plein de directeurs d'autres développements durables, hein, enfin si je me trompe pas, RSE de d'autres groupes. À quel moment ça se passe? C'est quoi? C'est des penseurs qui ont commencé à conceptualiser le sujet, qui à quel moment ça il y a ce switch-là entre l'un et l'autre? En fait, non, la prise de conscience que la conformité ne suffirait pas, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est arrivé il y a 7-8 ans au moins, simplement en écoutant les scientifiques et qui nous disent depuis des années, et au travers notamment le sixième rapport du GIEC qui est sorti récemment, mais c'était déjà dit dès le premier, hein, que les mesures qui étaient prises par les acteurs économiques pour moins polluer, hein, ne serait-ce que ça, pour moins polluer dans toutes ces dimensions, pas simplement le CO2, mais moins émettre de particules, moins utiliser de ressources primaires et donc moins contribuer à la destruction de la biodiversité, enfin, tout ce qu'on appelle l'empreinte environnementale globale. On a compris, enfin, j'ai pu comprendre au travers les rencontres, les lectures, les études que j'ai pu faire dans ce domaine-là que le compte n'y était pas en termes de profondeur d'action, de sincérité d'action et d'envergure d'action. Voilà. Bon, à partir de là, la régulation donnait un seuil minimum en deçà duquel il était inacceptable de continuer de travailler, mais ce seuil restait encore très complaisant par rapport à un arbitrage qui reste encore aujourd'hui un arbitrage essentiellement financier. Et que finalement le seuil était mis juste au-dessus de l'intolérable, mais il fallait quand même que l'entreprise fasse un maximum de profit. Et c'était ça qui était privilégié aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça qui est privilégié. Sauf que les scientifiques nous disent de toute manière que il n'y aura pas assez de résilience planétaire, il n'y aura pas assez de ressources, il n'y aura pas assez de capacité d'encaissement des chocs pour qu'on continue le modèle économique prédateur global dans lequel on vit, qui nous a apporté pour une partie de l'humanité un bien-être matériel certain, mais qui n'est pas soutenable à l'horizon de quelques années. Compte tenu de la pression que l'on fait exercer sur les écosystèmes, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle du climat, bien sûr, et puis tout ce qui finit en sphère, hein. Donc sur la pédosphère, les sols, sur la troposphère, la cryosphère, l'atmosphère, bien sûr, pour le changement climatique. Et donc tous ces dégâts collatéraux associés aux activités humaines, bon, bah, tant qu'on n'était pas trop nombreux, qu'il n'y ait pas de machines, la planète a pu le digérer. Maintenant, c'est plus possible, et on arrive à ce qu'on appelle à des dépassements de limites qui nous emmènent dans des mondes assez mystérieux, mais extrêmement inquiétants, qui devraient appeler un sursaut de responsabilité de la part des acteurs économiques, parce que de toute façon, il n'y aura pas de business profitable dans un monde qui va devenir invivable. Donc il va falloir absolument accélérer la transformation, parce que moi je ne parle pas de transition, hein, mais je parle de transformation des modèles. La transition, bah, en fait, elle n'a jamais existé jusqu'à présent, donc je ne vois pas pourquoi ce serait une nouvelle transition, parce qu'il n'y a jamais eu de transition, hein. On a passé notre temps à accumuler et accumuler les ressources et les réserves de la. On a tout utilisé en même temps, en fait, hein. Il n'y a rien qui a remplacé rien jusqu'à présent. Et donc on est maintenant dans une espèce de course contre la montre où on doit être à moins 90% d'empreinte carbone d'ici 2050. Donc en 25 ans, il va falloir qu'on fasse ça. Donc le temps d'une génération d'un homme, en fait, hein. Et ça, c'est un challenge qui est tout à fait inédit, hein, pour l'espèce humaine. Enfin, il va falloir qu'on finisse par accepter de ralentir la taille de l'économie pour préserver l'indispensable, il va falloir qu'on ralentisse un peu le non-essentiel. Et ça, ça c'est compliqué parce que derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent, il y a des systèmes économiques qui sont qui va falloir qu'on accompagne
dans cette transformation pour pas les laisser au bord de la route, bien entendu. Sinon, ils vont probablement opérer une résistance passive et c'est normal parce qu'il n'y aura pas que des gagnants en première instance dans cette histoire de transformation. Il y a aussi des secteurs qui vont forcément souffrir, sauf si on continue finalement de dire on continue comme avant et on va espérer la technologie magique, on va espérer qu'on va trouver des solutions, même si pour ma part je suis très dubitatif sur notre capacité, non pas à trouver des solutions, mais à les déployer dans l'horizon temporel qui nous reste pour agir. Parce que c'est pas le tout d'avoir une technologie magique qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais après le temps de diffusion, l'historique des temps de diffusion montre que quand bien même on trouverait des systèmes extraordinaires très peu polluants, pour les déployer à la bonne échelle, à la bonne vitesse sur l'ensemble des pays du monde, quoi qu'on fasse, on sait très bien que ça va prendre des décennies. Donc, je pense, j'en suis même certain qu'il va falloir que probablement on arrive à faire cette reconfiguration, non pas sur la base de technologies hypothétiques et improbables, mais sur ce qui existe déjà. Ben, la bonne nouvelle, c'est que ce qui existe déjà, a priori, si on consentait enfin à accélérer le déploiement de ces approches, ça pourrait permettre déjà de limiter largement les dégâts. Et ce n'est pas de la haute technologie dont il s'agit, c'est des technologies basiques d'isolation des logements, de transformation de notre agriculture, de décisions politiques d'arrêt d'un certain nombre de pratiques écocides qui ne sont pas techniquement très compliquées à gérer, mais qui sont politiquement compliquées à expliquer, d'où la nécessité de faire preuve de pédagogie, de beaucoup de pédagogie, parce que les gens ne pourront accepter des mesures qui vont apparaître comme liberticides lorsqu'elles vont être décidées. Mais pour compenser ça, il faut expliquer tout ce qu'on va gagner, tout ce qu'on va y gagner en qualité de vie, en qualité de l'air, en maintenabilité du système climatique dont on va avoir besoin pour vivre en paix dans les années qui viennent. Donc moi, j'appelle en fait, au nom du C3D, hein, un choc de la pédagogie, de responsabilisation, parce que je pense que les gens ne sont pas complètement idiots. Dès lors qu'ils ont les bons niveaux d'information, qu'on arrive à vulgariser cette complexité, bon, peut-être que la majorité finiront par comprendre et par accepter, et de faire le deuil, quelque part, d'un monde qui n'est clairement pas durable si on ne regarde pas les choses en face. Donc, est-ce qu'on va y arriver? J'en sais foutre rien. Il y a beaucoup plus de chances qu'on n'y arrive pas qu'on y arrive. Mais la dignité, c'est d'essayer. L'une des, tu parlais pas mal de sujets techniques, disons comme tu disais, voilà, rénovation des bâtiments ou autres, pour justement limiter nos émissions et notre empreinte écologique d'un point de vue global. Quelle place a l'entreprise contributive dans cette partie-là? C'est complémentaire, j'imagine. Est-ce que ça se situe, est-ce que c'est un indispensable pour justement accélérer toute cette toute cette transformation. Est-ce que, bien entendu, tu peux aussi redéfinir ce que c'est? Parce que c'est aussi l'objectif d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, bon, pour les gens qui sont éduqués, on voit bien, commence à bien percevoir les données du problème et les objectifs qu'on doit tenir si on veut ne serait-ce que tenir l'accord de Paris. Donc, bon, ça, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance des auditeurs sur ce sujet, mais grosso modo, il faut faire moins 40% des émissions d'horizon 2030 pour arriver à la neutralité carbone en 2050, sauf qu'au rythme actuel des émissions, autour de 50 gigatonnes de CO2 par an, on aura mangé notre budget du restant jusqu'à 2100, d'ici 2031, 2032, certains disent même avant 2030. C'est-à-dire qu'on va beaucoup, beaucoup trop vite dans nos émissions actuelles. Donc ça c'est le cadre dans lequel on s'inscrit. Et bien sûr, je ne parle pas de la biodiversité, je ne parle pas des autres limites planétaires elles aussi, ont des chiffres qui font froid dans l'eau. Mais ce qu'on a voulu avec Céline lorsqu'on a décidé d'écrire ce livre, c'est d'écrire un livre, un énième livre
sur la folie des hommes, sur la façon dont on utilise notre planète comme un puits sans fond, sans se préoccuper de sa bonne santé, dont notre santé dépend en réalité. Ben ça, les scientifiques le font très bien depuis des années. Donc, il n'y a pas à remettre en question la science. La science, c'est quelque chose qui bouge en permanence, mais il y a quand même pas mal d'éléments scientifiques sur lesquels il y a consensus. Bon, je pense que sur le fait que 2 plus 2 fasse 4, c'est pas complètement questionné tous les jours. Voilà, au niveau de la science climatique, on en est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, il y a un consensus, il faut l'accepter. Et en revanche, il n'y avait pas de. Ou il y avait peu, plus exactement, je ne dis pas qu'il n'y avait pas, mais il y avait peu de solutions qui étaient proposées pour créer la valeur autrement. Il y en avait, hein, mais en tout cas, il n'y en avait pas assez pour pouvoir rassurer les décideurs sur le fait qu'il y a une alternative, à condition, bien entendu, d'exercer un leadership qui permettra donc de vaincre les verrous sociotechniques, les résistances, le cynisme des conservateurs qui veulent que tout change sans que rien ne change. Et c'est sur la base de l'expérience des pionniers, ceux qui ont véritablement modifié leur modèle d'affaires, qu'on s'est aperçu que ces pionniers, qui ne se connaissaient pas entre eux la plupart du temps, bah, utilisaient en fait la même approche. Et en fait, on en a tiré une théorie, un concept, qui est le concept de l'entreprise contributive, l'entreprise qui contribue à son niveau, à son échelle, à la restauration des modèles d'affaires, enfin des modèles, à la restauration des écosystèmes déjà, mais aussi des modèles sociaux qui permettent donc de ne pas exploiter non plus la misère humaine jusqu'à pour tout prétexte de faire de l'argent. Donc, qui est contributif net d'externalités positives, ce qu'on appelle ça comme ça, et qui accepte par itération successive d'éradiquer toute externalité négative, parce qu'il est plus tolérable en 2023 d'accepter de gagner de l'argent en détruisant le vivant. Voilà. En contribuant directement ou indirectement à détruire le vivant qui devrait être au contraire sanctuarisé. Donc l'entreprise contributive, c'est l'histoire de ces pionniers, hein, et on s'aperçoit que ces pionniers ont tous suivi en fait la même logique, de partir non pas de la main invisible du marché en tant que donnée d'entrée de leur stratégie business, mais de partir des limites planétaires pour mieux gérer les conflits d'usage, mieux gérer la nécessité de restauration, de protection, de préservation de ce qui permet à l'entreprise de faire du business, parce que le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec des machines alimentées par de l'énergie. Donc, si vous altérez les matières premières que vous utilisez, que vous ne pouvez pas les réutiliser après une première vie, une deuxième vie, bah, vous les perdez. Et donc, de fait, vous êtes obligé en permanence d'aller chercher dans la nature les ressources dont vous avez besoin jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de ressources. Et comme on est sur une planète qui est finie et que l'essentiel de ressources dont on a besoin sont issues du tableau de Mendeleïev pour les métaux et des ressources fossiles et des ressources biologiques qui sont à notre disposition, alors les ressources biologiques, bon, mais si on leur laisse le temps de se reconstituer, à la limite, pourquoi pas? Mais si vous les surexploitez, comme on le fait aujourd'hui dans bien des cas, bah, ça va s'arrêter un jour. Et en plus, si on considère que d'altérer les écosystèmes, ça a des effets sur la reconstitution des stocks biologiques, ce qui est le cas, eh bien, quand bien même vous seriez équilibré dans le prélèvement que vous faites, si les écosystèmes sont altérés, bah, vous allez avoir des problèmes de reconstitution de stocks liés tout simplement à l'altération des écosystèmes. S'il pleut pas assez, s'il y a trop de plastique dans les océans, etc. Bon, ça finit par créer des problèmes dans le cycle du vivant, en fait. Donc, premier levier de l'entreprise contributive, c'est d'accepter le monde fini. Voilà. On considère qu'aujourd'hui, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui croient au monde fini, et puis ceux qui ne croient pas, ou qui font semblant de ne pas y croire. Et donc, d'accepter le monde fini, ça veut dire bah, de ne pas dépenser plus que ce que la planète est capable de donner, et que lorsque vous prélevez quelque chose dans la planète, d'intégrer dans vos comptes les sommes qui sont nécessaires pour reconstituer, au coût de maintien, reconstituer ou remettre en état,
Hein, vous utilisez de l'eau pour votre process, bon, ben, dans tact, hein, vous utilisez de l'eau pour votre process, mais est-ce que vous êtes sûr que dans votre process de fabrication, vous avez pris en compte eh bien, un système qui va vous permettre de nettoyer l'eau avant de la rejeter dans le milieu naturel pour vous assurer qu'en quantité et en qualité, elle soit à la même performance, entre guillemets, que ce que vous aviez récupéré en données d'entrée. C'est ce que tout le monde devrait faire et c'est ce que tout le monde ne fait pas. Donc c'est vrai que le premier pilier de l'entreprise contributive, c'est un pilier qui apprend l'humilité, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les arbres ne grimpent pas au ciel et qu'on ne pourra pas non plus être dans une logique forcément de croissance infinie, alors que les ressources, elles, sont finies. Donc ça nécessite aussi de faire preuve de lucidité sur certains business, sur le fait que bon, bah, au bout d'un moment, lorsque tout le monde aura tel objet, est-ce que c'est vraiment utile de chercher à ce que tout le monde en ait deux, voire trois, voire quatre, ce qui est aujourd'hui la logique absurde de beaucoup de business. Hein, on a tous plein de choses dans nos armoires respectives, dont on n'a pas vraiment besoin, en réalité. Et c'est bientôt le drame, d'ailleurs. Hein. Totalement. Donc ça, c'est le premier levier. Mais une fois qu'on a considéré qu'il fallait partir des limites planétaires pour établir son plan d'affaires, et non pas uniquement par rapport à son positionnement concurrentiel ou son positionnement marketing bah, vis-à-vis de ses pairs ou par rapport à un marché étendu, bah, se pose la question de l'utilité sociale et sociétale de l'entreprise. Et ça confère à l'entreprise de se poser la question de sa raison d'être. C'est-à-dire, en fait, voilà. À quoi je sers, qu'est-ce que j'apporte de singulier à la fois à mes clients, mais aussi aux autres parties prenantes non contractuelles, et y compris les parties prenantes qui ne peuvent pas s'exprimer et qui sont les parties prenantes environnementales. Voilà. Il y a aujourd'hui des recherches sur le fait qu'on puisse donner demain, et c'est déjà le cas, des droits à la nature, ne serait-ce que ça. La nature a le droit finalement pour être considéré demain comme une personne morale demander à ce qu'on la protège au travers des gens qui la représenteraient hein, auprès des tribunaux. Hein. Il y a des études qui sont, enfin, il y a des expériences dans ce domaine-là, je trouve ça tout à fait intéressant. Donc, première chose, c'est à quoi je sers quand je suis entrepreneur? Est-ce que mon produit répond vraiment à des besoins essentiels? Si oui, bah, je peux maintenir mon autorisation d'exister. Sinon, ça serait peut-être temps de changer de modèle économique, enfin pas de modèle économique, mais enfin pas encore de modèle économique, mais de changer en fait de raison d'être et donc de changer de type de solution à apporter à mes clients. Donc ça, c'est essentiel parce que dans beaucoup de cas, hélas, je ne vais pas vous donner d'exemple ici, mais il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des choses qui pour le coup ne sont vraiment pas du tout essentielles et du coup dans un monde dans lequel il va falloir qu'on supprime 90% de nos émissions d'ici 25 ans. Je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Donc le but, c'est pas de rendre plus vert des produits qui ne devraient plus exister. Le but, c'est de rendre beaucoup plus vert des produits qui sont essentiels. C'est un petit peu différent. Hein. Donc parce que rendre écologique des choses qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont pas lieu d'être, ça sert à rien en réalité. Hein. Là aussi, je vous fais pas de dessin, mais je pense que tout le monde pense à la même chose. On en arrive au troisième pilier de l'entreprise contributive qui là où tout se fait, parce que c'est le réacteur c'est le cœur du livre d'ailleurs, c'est ben, le modèle économique. Hein. Ok, très bien, de toute façon, une entreprise, si elle ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas rémunérer ses actionnaires, et elle ne peut pas payer ses salaires, elle ne peut pas payer les fournisseurs, donc ça s'arrête assez vite quand même. Hein. Donc, gagne de l'argent, certes, mais comment? Voilà. Avec quel type de modèle? Avec un modèle linéaire aujourd'hui, à hein, 99% de ce qui se passe sur la planète. Hein, donc sur un modèle simpliste d'extraction, de fabrication, de vente et puis d'élimination. Hein, donc ce modèle-là, il fonctionne très bien parce qu'en fait, on compte ce que l'on gagne en vendant le produit, mais on compte jamais ce que l'on doit à l'environnement qui doit digérer en fait tous ces déchets qu'on génère. Par une consommation, une hyper-consommation, avec la plupart de ces produits qui se retrouvent dans la nature, à la fin de leur vie, qui peut être extrêmement brève, hein.
On sait que les vêtements de la fast fashion aujourd'hui, hein, c'est porté quelquefois et ensuite c'est jeté. Et ça vient alimenter les gigantesques poubelles à ciel ouvert qu'il peut y avoir partout sur la planète. Donc le modèle d'affaires contributif, il est forcément différent. Il est forcément non plus basé sur la vente des produits, mais sur l'usage des produits, avec une nécessité pour les industriels de rester propriétaires de leurs produits et d'en vendre l'usage pour les intensifier, donc beaucoup moins de produits mais beaucoup plus utilisés avec une capacité que les industriels auront demain à proposer ces produits au plus grand nombre selon une règle économique liée à la demande. Bah, plus de demandes, bah, c'est plus cher, moins de demandes, c'est moins cher. C'est déjà le cas d'ailleurs dans beaucoup d'industries. Hein. Quand vous prenez le train ou l'avion, vous avez déjà une barrière par le prix parce que vous ne pouvez pas en faire voler plus qu'un certain nombre à un certain moment, parce qu'il y a des limites précisément qui sont des limites physiques indépassables. Hein. Vous ne pouvez pas faire rouler plus de trains que ce que le réseau ferré peut absorber, et vous ne pouvez pas faire voler plus d'avions que ce que le nombre de slots permet de faire en fonction des impératifs de sécurité. Donc les communes à fonctionnalité, c'est pas une mode, c'est une nécessité. C'est-à-dire on doit demain accepter de vendre l'usage de quasiment tout et n'importe quoi, hein, y compris ses vêtements d'ailleurs, pour inciter les industriels eh bien, à faire l'inverse de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ont intérêt à fabriquer des produits qui durent pas trop longtemps pour provoquer le réachat. Et donc soit par l'obsolescence programmée technique, soit par l'obsolescence marketing via les influenceurs, Ouais, ou le prix, ou etc. Enfin, des prix bas qui t'incitent à en changer tout le temps, en ou même racheter comme un tu disais, autre. la qualité, etc. Ouais, enfin, il y a mille façons de faire. Il y a publicité, hein, ne serait-ce que ça. Ouais. Voilà. Il y a le nombre de fois où les gens rachètent 3 fois le même objet alors qu'ils n'en ont pas besoin, ou parce qu'ils en ont déjà un au placard, mais ils l'ont oublié, ne serait-ce que ça. C'est complètement dingue. Donc le marketing et la publicité a des effets considérables. On est bombardé tous les jours de centaines de messages publicitaires qui sont des messages achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Forcément, les gens finissent par craquer. Hein. Alors il y a aussi la force de la publicité, hein, la qualité des messages qui sont passés, puis aussi la pression communautaire, on le sait, hein, le mimétisme. Enfin, il y a des ressorts aujourd'hui qui font que les gens achètent des choses parce que tous les autres les ont achetées en réalité, ils n'en ont pas vraiment besoin, mais pour faire comme les autres, on l'achète. Hein, c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Vous avez un gars qui achète un barbecue dans un quartier, le lendemain matin, tout le monde achète un barbecue, et on s'en sert 3 fois par an, quoi. Voilà. Bref. Et après, Donc, avant de parler des deux autres piliers, parce que on en parlera juste après, ce qui est plus lié du coup à la partie valeur perçue, valeur immatérielle, etc., management, etc., qui m'intéresse aussi, hein, parce que c'est deux choses à appliquer au quotidien dans l'entreprise. Juste pour rester sur la partie de l'économie de la fonctionnalité et sur les entreprises dont tu parlais tout à l'heure, qui ont tous un peu les mêmes, disons, les mêmes modèles, hein, les mêmes cinq piliers et les mêmes ambitions, même manière d'être fait, disons, de travailler, de subvenir aux besoins, etc., des consommateurs et de tous. Est-ce que ces entreprises-là, elles sont rentables dans le sens viable d'un point de vue économique classique qu'on connaît, à savoir, voilà, elles ramènent des sous aux actionnaires, etc., ou c'est des entreprises qui sont complètement différentes de ce qu'on peut imaginer actuellement? Bon, alors la notion de profitabilité des entreprises contributives ne se pose pas, elles sont profitables. Maintenant, est-ce que les ratios de profitabilité, d'ailleurs toutes celles qu'on liste dans le livre, sont des entreprises qui gagnent de l'argent? Mais est-ce que c'est avec les mêmes ratios que les entreprises linéaires? Non, non. Parce que dès lors que vous devez intégrer dans votre process de réalisation, comme on dit, les coûts liés à la préservation des communs, ben forcément, par rapport à une entreprise qui ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui, émettre du CO2, c'est gratuit, hein, polluer l'eau, c'est gratuit, directement ou indirectement, enfin, personne n'oblige une entreprise qui fait des objets en plastique, il n'y a pas d'obligation pour elle de s'assurer que
que son objet ne se retrouvera pas un jour dans une rivière. Voilà, parce que de toute façon, une fois que le produit est plastique et est vendu, il n'y a pas de responsabilité aujourd'hui du producteur. Même si la loi AGEC est arrivée, mais la loi AGEC est tout aussi pertinente qu'elle puisse être sur certains aspects, ne va pas encore aussi loin qu'elle devrait aller si on voulait aller vers le net zéro impact. Bon, on peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais je crois que vous comprenez l'objet. Donc, si votre question c'est est-ce que les entreprises régénératives ou contributives peuvent avoir des niveaux de rentabilité aussi importants que les entreprises linéaires, la réponse est non, excepté lorsque vous pouvez être à un moment donné sur une niche qui fasse que vous êtes les seuls à proposer, ou pas nombreux à proposer ce service-là, parce qu'en fait, en même temps, on va vendre du service. Hein, et que, je vous donne un exemple, hein, si demain vous produisez des pompes à chaleur, voilà, ça va être la mode de mettre des pompes à chaleur pour remplacer les chaudières gaz ou fioul, et que forcément demain on va plus les vendre, ces pompes à chaleur, mais on va les louer, et qu'il faut en mettre de telles quantités que forcément tout le monde va en vouloir, et là pour le coup, ça va être difficile de partager sa pompe à chaleur, donc il y en aura forcément un par logement, une par logement. Bon, ces business-là, ou si vous faites des produits isolants pour le bâtiment, si vous faites des vélos, c'est clair que si vous faites des vélos, pendant encore pas mal de temps, vous allez avoir des taux de croissance qui vont être importants compte tenu du sous-équipement mondial en termes de vélos. Et que vous pourriez avoir des résultats, des ratios qui sont similaires en fait à ce que l'on connaît aujourd'hui dans l'économie dite traditionnelle écocide. Maintenant, si on regarde le fond des choses, le problème, c'est notre système économique qui incite en fait à du toujours plus dans tous les domaines. Et ça, c'est juste pas tenable. Donc, je pense que l'entreprise demeure rentable et profitable. Ça me gêne pas. Mais que finalement, la seule doxa, le seul message, c'est que tout le monde doit croître. Et tout le monde doit se développer à l'infini, ben ça, c'est plus possible. Donc, il faut qu'on réinvente un nouveau capitalisme ou un nouveau modèle, un nouveau système économique qui, quoi que certains appellent la post-croissance ou la croissance, ou je ne sais pas quoi vous dire, moi, je ne suis pas économiste, mais une chose est sûre, c'est que d'abord, il faut qu'on ralentisse pour se resynchroniser au niveau planétaire. Donc, ça, c'est vital, c'est juste vital. Hein. De toute façon, si on ne le fait pas, il n'y aura pas de deuxième partie du XXIe siècle, selon moi, et selon les scientifiques. Et une fois qu'on aura fait ce travail de resynchronisation, donc ça fait déjà un sacré coup de frein sur le domaine essentiel, après, le but, c'est pas de quelqu'un, quand quelqu'un est obèse, le but, c'est pas qu'il passe de 115 kilos ou 140 kilos à zéro. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il retourne à son poids de forme, puis ensuite, il faut qu'il tienne son poids de forme. Sans regrossir et sans continuer de maigrir non plus. Hein. Parce que s'il continue de maigrir, il va mourir. Et s'il recommence à grossir, il risque de mourir aussi. Donc après, il faut rentrer dans une logique de post-croissance, c'est-à-dire d'avoir une économie qui va devenir plus stationnaire. Mais bien expliquer aux gens qu'avoir une économie stationnaire, avec un accès à l'essentiel au plus grand nombre et si possible à tout le monde, hein, pour pas qu'il y ait d'un côté ceux qui ont trop et puis de l'autre côté ceux qui n'ont pas assez, dans une approche beaucoup plus inclusive et plus partagée, bon, ben c'est ça qui permettra donc d'éviter les ressentiments et d'éviter d'avoir finalement des populations qui n'ont comme autre ambition dans leur vie que de migrer au nord au péril de leur vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe actuellement. Alors là, tant qu'il y en a quelques dizaines de milliers par an, on arrive encore plus ou moins à gérer, mais ça devient déjà ingérable en Grèce, en Italie et même en Espagne. Lorsque le changement climatique va commencer à s'exacerber et qu'ils vont arriver par dizaines de milliers ou centaines de milliers, voire par millions, d'après ce que dit le GIEC, je doute que ça se passe aussi bien que possible. Donc ce ralentissement de l'économie, il est aussi vital pour maintenir un monde en paix, tout simplement, et laisser les gens là où ils sont. Et pour que les gens puissent rester là où ils sont, il faut que ce soit vivable. Si ce n'est pas vivable, eh bien, ils vont partir, forcément. Donc, on a tout intérêt, non pas à leur proposer de se développer comme nous nous sommes développés, c'est-à-dire sans tenir compte des limites planétaires, et pour être crédible vis-à-vis de ces pays qui pourraient dire, attendez, vous foutez de notre gueule, hein,
tout consumer, tout consommer, et hop, et puis maintenant que nous, on devrait aspirer à, ben vous nous dites que c'est pas ça qu'il faut faire. Ben en fait, l'objectif, c'est le but du jeu, c'est et c'est pas c'est un jeu de la mort, hein, mais le but, c'est comme que nous imposions un ralentissement drastique du non-essentiel pour montrer que on s'impose à nous-mêmes des choses qu'on va vouloir voir arriver chez les autres, ce qui est quand même le béaba de l'exemplarité. Et démontrer par-delà que on s'était trompé et que nos modes de vue consuméristes nous ont certes simplifié la vie parce que l'espèce humaine est feignante par nature, donc ça nous a beaucoup simplifié la vie en termes de confort matériel. En fait, on ne brûle plus rien, hein, c'est des machines qui font tout à notre place. Mais que la contrepartie planétaire, et on peut plus la payer aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est pas de retourner au Moyen-Âge ou à l'âge des cavernes, hein. C'est pas ça du tout, hein. Le but, c'est de maintenir un confort matériel le plus haut possible, bien entendu, mais en acceptant de mieux partager, mutualiser les infrastructures, partager les objets pour en fabriquer moins, parce qu'on sait très bien que l'essentiel de l'empreinte carbone de ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est pas tant au moment où on les utilise, hein, mais au moment où on les fabrique. Donc c'est pas vrai pour tout. Mais enfin, pour beaucoup, beaucoup d'objets, c'est quand même au moment de la fabrication qu'on concentre l'essentiel des nuisances. Et de fait que si on en fabrique moins ou si on fait durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps les produits, ben on va forcément avoir un impact positif sur tout le reste. Donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place, et ça passera par des récits. Ça passera par parce que les gens doivent faire leur deuil, finalement, leur deuil d'un système consumériste qu'on leur a vendu depuis tout petit, qu'on enseigne encore dans les écoles de commerce et certaines écoles d'ingénieurs, de cette économie de la fausse abondance, parce qu'en fait, ça fait belle lurette qu'on n'a plus de l'abondance, mais de faire croire que finalement, c'est normal que de génération en génération, les appartements deviennent plus grands, que les voitures deviennent plus grosses, qu'on va toujours plus loin en vacances, qu'on achète toujours plus de vêtements. Bon, et oser faire croire que c'est ça qui rend heureux les gens. On est dans cette logique-là aujourd'hui. On est encore, hélas, dans cette logique-là. Il y a encore tous les politiques pensent comme ça, que c'est la seule façon de faire du ruissellement, de faire en sorte que plus il y aura de riches, moins il y aura de pauvres. Bon, ça a pu être vrai à une époque. Mais on sait très bien que c'est plus vrai du tout aujourd'hui, et que même dans nos pays occidentaux, il y a plus de pauvres qu'il y avait il y a quelques années, plus de précarité, et que même l'espérance de vie, qui était vraiment l'argument massue des technosolutionnistes conservateurs, bah même l'espérance de vie aujourd'hui est en train de baisser, hein, je parle d'espérance de vie en bonne santé, ce qui montre bien qu'on est arrivé aux limites d'un modèle qui n'a plus lieu d'être. Donc l'objectif, c'est pas de renoncer à tout, c'est une connerie monumentale de dire ça, mais c'est de faire preuve de, un, vis-à-vis de la technologie, de techno-discernement. Donc le but, c'est pas de technologie, mais c'est arrêter la gadgetisation de l'économie, hein. Il y a énormément, enfin, est-ce que c'est utile de commercialiser des baskets connectées ou des brosses à cheveux connectées voilà, est-ce que c'est utile d'autoriser encore ça? Hein, parce qu'en fait, là, je pense que là, c'est aussi le rôle de la régulation, de mettre des coups de sifflet à roulette là, sur ce genre de conneries. Et c'est à dire, ben oui, alors ça, c'est liberticide, vous ne vous rendez pas compte, la liberté d'entreprendre, etc. Mais selon nous, en tout cas, dans le livre, on a essayé d'expliquer qu'il ne peut pas y avoir de liberté d'entreprendre sans responsabilité d'entreprendre. Et donc, la responsabilité aujourd'hui, c'est clairement de ralentir l'utilisation des ressources. Et si on ne comprend pas ça, et si on ne le fait pas tout de suite, on va au-devant de désillusions à la hauteur de nos illusions. Donc c'est pas faire preuve de dogmatisme de dire ça, c'est faire preuve de bon sens et de logique, tout simplement, même si on sait que le bon sens, c'est quand même la chose la moins partagée sur cette planète. Déjà, avant de poser ma question, si vous voulez en savoir plus sur les sujets de décroissance, de post-croissance, etc., j'ai fait un épisode avec Gabriel Malek que Ben, je vous recommande d'écouter. Je je mettrai. connais très bien Gabriel, Voilà, qui est je un jeune mettrai le. talentueux. Ah ouais, ça Exactement. m'intéresse, mais Et bon, il est. je te partagerai ça à Fabrice et je mettrai ça, le lien, dans les notes de l'épisode aussi. Mais concrètement, quand tu parles, tu vois, d'économie de la fonctionnalité, de tous ces sujets-là, même si
on conceptualise pour certains secteurs, parce que voilà, quand il y a un produit derrière, on imagine voilà une réutilisation de ce produit-là. Concrètement, par exemple, sur ce que tu fais toi, ce que vous faites au sein de Bouygues, Bouygues Construction, par exemple, enfin sur Bouygues Télécom, on imagine que c'est voilà faire en sorte, enfin après, il n'y a pas de vente de téléphone avec Bouygues Télécom, mais bref, c'est un autre sujet. Bouygues Construction, à quoi ça correspond? Bah, ça correspond à un concept building qu'on a inventé il y a 6 ans maintenant, hein, qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive. Alors, ça fait quoi ce concept, hein? C'est un bâtiment, d'abord un, qui est considéré comme une banque de matériaux. Donc les matériaux constitutifs que l'on va utiliser pour le construire, pour le rénover, ben, on va pouvoir, si on veut, et si on veut, c'est pas si on veut, c'est qu'on va en avoir besoin, pouvoir récupérer ces équipements après une première vie pour pouvoir les réimplanter dans un autre bâtiment, dans une deuxième vie. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, hein. C'est la logique des briques de Lego, en fait, hein. C'est bête que ça, hein. Et ben ça change tout déjà, hein. Le fait d'avoir non plus des bâtiments qui sont des futurs gravats ou des futures poubelles, c'est des bâtiments qui sont des futures ressources pour le futur, un peu comme les châteaux forts dans le temps, où les pierres servaient pour 200 ans pour faire un château, puis ensuite ça servait 300 ans pour faire une église, puis après ça servait 400 ans pour faire un dispensaire. C'était toujours les mêmes pierres. Bon, ben là c'est un peu la même logique, sauf avec les outils numériques qui sont les nôtres aujourd'hui, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées, quoi. Donc dissocier la vente d'un bâtiment assemblé des éléments constitutifs pour que les équipementiers restent propriétaires de l'ascenseur, du lighting, de la ventilation, des bornes de recharge, etc. Et dans une logique de faire durer beaucoup plus longtemps ces équipements, donc de doubler, de tripler leur durée de vie, parce qu'en fait, chaque minute de location marginale à une maîtrise d'ouvrage, ben, c'est de l'argent qu'ils vont gagner en plus. Et qu'ils n'auront pas besoin de refabriquer le truc. Et quand on sait maintenant le déboursé sec qui est nécessaire pour fabriquer certains équipements, ils n'ont pas intérêt à le fabriquer trop souvent. Parce que quand les matières premières coûtaient pas cher, c'était très bien, mais maintenant que les matières premières coûtent de plus en plus cher, ben ils n'ont pas intérêt à faire leur marge sur la vente du produit, mais ils feront leur marge demain sur l'usage de leur produit, ce qui est complètement différent. Bon, ça, on est au début de tout ça. Alors bien sûr, compte tenu du temps de diffusion des technologies, le BHEP, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de sauver le monde, vu qu'il nous reste 25 ans, et dans 25 ans, 80%, voire 85% des bâtiments existants seront toujours là. Donc, ça ne suffira pas de faire du BHEP, il suffira aussi, il va falloir qu'on fasse autre chose, et notamment rénover le parc existant, voilà, pour qu'il devienne plus passif. Donc, le rénover avec des technologies passives, ça, on sait le faire. Alors, en mode BHEP, si possible, on pourra récupérer ces matériaux in fine si on en a besoin, ça c'est très bien. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est d'intensifier l'usage. Donc intensifier l'usage, on le voit bien que les produits du quotidien, à commencer par l'objet mythique de la voiture, qu'on utilise 4-5% du temps pour faire 15 000 km par an en moyenne, je ne parle pas des taxis bien sûr, et qui reste voiture ventouse, prendre 10 mètres carrés au sol minimum pendant 96% du temps, avec des systèmes de voitures propriétaires. Vous allez dire, mais oui, mais si quand je me sers toujours de ma voiture, je ne vais pas la louer tous les jours. Ok, très bien. Mais dans beaucoup de cas, on ne s'en sert pas tous les jours. Dans beaucoup de cas, on ne l'utilise pas 24 heures sur 24. Donc que ceux qui en ont besoin tous les jours puissent avoir une location tous les jours, une location de longue durée tous les jours, pourquoi pas? Mais quid des autres? Et quid des autres, c'est des dizaines, des centaines, de millions de véhicules. Donc l'objectif pour un bâtiment, c'est que le propriétaire d'un bâtiment, quel qu'il soit, reconnaisse qu'il n'utilise pas tous les espaces de son bâtiment 24 heures sur 24. C'est pas vrai. Personne n'utilise tous les espaces en même temps, même quand on est chez soi. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas d'arriver à sous-louer sa chambre à coucher, quoique, ou sa salle de bain quand on n'en a pas besoin. Mais par contre, dans un bâtiment tertiaire, et là, il y a quand même des millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires de par le monde, bah, les parkings, les salles polyvalentes, les restaurants d'entreprise, les rooftops, les salles techniques, les salles de réunion, on peut reconnaître que ça pourrait très bien avoir une utilisation en heure ouvrable par l'utilisateur principal, mais aussi une utilisation à d'autres moments par d'autres types d'utilisateurs. Ça, c'est pas complètement inenvisageable, c'est pas techniquement infaisable, et si on fait plus transpirer les actifs, c'est-à-dire qu'on les utilise plus et mieux, avec plus d'utilisateurs secondaires et tertiaires,
au bout de quelques mois, de quelques années, sur un territoire donné, on aura besoin de moins de bâtiments parce qu'ils seront plus utilisés. On voit encore dans les communes où il y a des écoles maternelles ou des écoles élémentaires qui cohabitent avec le conservatoire, qui cohabitent avec le théâtre. Chaque corporation a son infrastructure parce on est dans une approche, voilà, c'est à moi, je fais ce que je veux chez moi, etc. Et il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'utilisation. Alors que moi, j'habitais longtemps dans une ville de 78, là, où ils avaient construit un conservatoire à côté d'une école élémentaire. L'école élémentaire, à 17h, il n'y avait plus personne dedans, et le conservatoire se remplissait à partir de 17h. Il y avait une rue à traverser entre les deux. On aurait pu être un peu malin de faire le conservatoire dans l'école, hein, pour que ça fonctionne jusqu'à 20h. On aurait économisé énormément de béton, d'acier, etc. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines de millions de par le monde. Et donc la mutualisation, le partage, l'hybridation des infrastructures, des objets, ça c'est l'avenir. Donc on n'a pas besoin qu'il y ait. Moi je pense que si on avait dans les immeubles aujourd'hui des petits locaux où on puisse faire du partage de perceuses, d'appareils raclette, de poussettes, de vélos d'enfants, toutes ces conneries qu'on achète pour très peu de temps, en réalité, ça ferait de la place dans les placards et ça permettrait d'éviter d'en fabriquer des millions pour un taux d'utilisation qui est juste dérisoire. Bon. Raconté comme ça, tout le monde est d'accord, mais pourquoi on ne le fait pas? Voilà. Donc, chez Bouygues, on propose ce concept building qu'on va vendre, qu'on va essayer de vendre l'idée. Et donc, il y a d'autres caractéristiques, bien sûr, mais vous avez compris le principe. Et ça permettra de faire baisser l'empreinte globale d'une façon tout à fait substantielle, hein, des bâtiments banques de matériaux à haute intensité d'usage, qui produisent leur propre flux physique pour fonctionner, qui partagent leur flux physique. Tout ça, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est techniquement complètement faisable dès aujourd'hui à technologie constante. Et qui font que ces bâtiments, non seulement sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus durables, mais rapportent plus d'argent. C'est ça qui est étonnant, parce qu'en fait, comme vous avez plus d'utilisateurs secondaires plus d'utilisateurs globaux qui vont utiliser les espaces, moyennant bien sûr finances, bien vous allez avoir des recettes d'exploitation que vous n'aurez pas si vous restez en mono-utilisateur. Donc dans certains cas, alors c'est pas vrai pour tout, hein, mais dans certains cas, ce type de modèle peut même s'avérer plus rentable que le modèle mono-utilisateur. Ce ne sera pas le cas pour tout, hein, mais pour ça, ce sera le cas. Avant de sur cette partie, avant de du coup la partie entreprise contributive, c'est assez clair là-dessus. Pour revenir sur les deux piliers qu'on n'a pas discuté, qui sont plus liés à la partie management au global. Si tu veux, je vais te laisser aussi les définir, les en parler plus précisément. Mais donc je les cite. Donc un système de management basé sur la partie valeur perçue et valoriser l'immatériel. Donc c'est un peu les deux autres piliers. Sur le management, plus concrètement, quelles sont les actions pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, hein, qui travaillent comme pour la plupart, ou futurs travailleurs, anciens travailleurs, etc., retraités, bref, on a envie d'en savoir plus là-dessus. Sur ce sujet management, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer pour que ça puisse être en phase avec le monde de demain, enfin, disons, qui devrait être le monde d'aujourd'hui aussi, hein. Alors, ça, c'est un chapitre aussi essentiel du livre, parce que c'est ce qui permet de rendre l'impossible possible. Aujourd'hui, les idées viennent des collaborateurs, tout le reste, c'est du pipeau. Hein. Si on croit que c'est les start-up nations qui vont sortir de la mouise là, dans les 20 ans qui viennent, c'est une vue de l'esprit. De toute façon, tout ce qui va être inventé, tout ce qui peut être inventé aujourd'hui n'aura aucun effet, strictement aucun effet, sur ce qui va se passer d'ici 2050. Voilà. Donc, foutre de l'argent dans des startups, je trouve ça, si ça amuse certains, très bien. Mais de là à dire que ça va nous aider à tenir notre trajectoire net zéro, c'est du foutage de gueule de premier niveau, hein, parce que ça n'arrivera pas. Alors, à partir de là, quelles sont les ressources dont on dispose pour pouvoir réinventer l'existant sans avoir à compter sur des choses qui n'existent pas encore? Voilà. Et bien, c'est dans la tête des collaborateurs.
Voilà. Les collaborateurs, ils savent faire autrement si on leur donne la possibilité d'exprimer leurs idées et de les expérimenter, de les mettre en œuvre. Donc, d'ailleurs, toutes les plus grandes, enfin, une grande partie des grandes innovations de ces dernières années, il y a eu des génies, bien sûr, qui sont partis de rien et qui ont inventé, mais il y a beaucoup, beaucoup d'innovations du quotidien qui viennent, en fait, des collaborateurs eux-mêmes. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Hein, c'est des processus d'amélioration continue, bien connus par les qualiticiens depuis des décennies. Hein, qui, à partir du moment où on fait confiance aux gens, qu'on leur donne des valeurs limites, donc là, les deux valeurs limites qu'il faut pouvoir leur donner, c'est un, bah, l'amour du client. Enfin, le développement durable ne va pas éradiquer cette notion que si le client n'est pas content, il ira voir ailleurs, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est bien quand même de le chouchouter. Et puis deux, les limites planétaires. Bon, ça aussi, c'est indépassable. Alors ça, c'est nouveau, par contre. Hein. Donc, limites planétaires, donc il ne faut pas proposer ou fabriquer de la valeur qui pourrait avoir un impact négatif. Donc vous donnez ça, vous donnez ces deux règles aux collaborateurs. On leur dit, voilà, il faut que ça soit bien perçu par le client, management par la valeur perçue, hein, et que ce soit dans le budget carbone que l'entreprise s'est donné, c'est-à-dire zéro, voilà, et budget matière, etc. Donc à partir de là, on leur dit, ben, démerde-toi pour trouver les solutions, sachant que dans ces deux valeurs limites, il faut que la liberté pour y arriver soit totale. Je dis bien totale. Donc confiance. Il faut faire confiance aux gens. Et on leur donne l'objectif, on leur lance le défi, et après ils se démerdent. Alors ils se démerdent pas au sens on se désintéresse à ce qu'ils font, on veut pas en entendre parler, on veut voir que le résultat. Non, c'est pas ça. C'est on les laisse expérimenter, on les laisse expérimenter par itération, en faisant des POC, en réfléchissant comme ils ont envie de réfléchir, en simulant, mais on les laisse faire. On les laisse faire. Et je peux vous dire que dès lors que vous les accompagnez avec un peu de méthode, pas trop, hein, mais un peu de méthode qui sont issues des méthodes d'amélioration continue, hein, tout simplement, du Lean ou autre, vous allez apercevoir que la capacité d'imagination humaine, dès lors que vous leur laissez la liberté, vous leur donnez un peu de méthode, oh, c'est formidable. Ils arrivent à inventer des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'ils puissent inventer. Et bien plus puissant que n'importe quelle start-up du coin de la rue qui pense avoir réinventé l'eau chaude, mais qui, dans 99% des cas, bah, c'est pas ça du tout. Donc le but, c'est pas d'avoir des bonnes idées, hein, c'est de savoir les mettre en place. Et pour savoir les mettre en place, il faut qu'il y ait des gens du terrain, qu'il y ait des gens qui soient au contact de la réalité de la réalisation de la fabrication. Donc moi, je mise, enfin en tout cas, dans le livre, on a souhaité mettre en avant ces entreprises qui libèrent, en fait, leurs collaborateurs du carcan de reporting, administratif, du management par objectif, de la hiérarchie, etc., qui fonctionne très bien lorsqu'on ne veut pas beaucoup innover, en réalité, hein, dans un logique de répétabilité du process à l'infini avec très peu d'incertitude. Sauf que là, compte tenu qu'il faut tout réinventer, on a intérêt à libérer les bonnes volontés et les esprits si on veut vraiment trouver des nouvelles idées pour arriver à fabriquer sans polluer. Et si on veut arriver à fabriquer sans polluer, ben, il faut donner ses valeurs limites et après laisser les gens la liberté d'entreprendre comme ils ont envie. Alors vous allez me dire, mais ça va être l'anarchie. Ben, en fait, pas du tout. C'est extrêmement puissant, y compris au niveau de l'organisation en équipe et la cooptation de leaders, parce que dans ces entreprises-là, bien sûr, il n'y a pas de chef parachuté qui arrive. Mais il y a des gens qui élisent en fait leur leader pour assurer non pas de la chefferie bête et méchante caporaliste, mais de la coordination intelligente et du leadership. Donc, on peut ne pas croire que ça marche. Un peu, on peut croire que ça marche pas. Hein, chacun croit ce qu'il veut. C'est très difficile d'expliquer la performance de ces systèmes parce que c'est un peu comme expliquer le goût des fraises. Hein. Une fraise, c'est con comme la lune, mais va expliquer à quelqu'un le goût des fraises. C'est compliqué, franchement. Hein. Ça s'explique pas le goût des fraises. La seule façon de comprendre le goût de la fraise, c'est de la bouffer. Hein. On est d'accord. Mais la seule façon de comprendre le management par la valeur perçue, c'est de le mettre en œuvre. C'est la seule façon de comprendre. Ça s'explique pas. Voilà. Ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que
il y a des fondamentaux de management qui sont respectés. C'est ce qu'on a expliqué dans le livre. C'est ce qu'on a expliqué dans le livre. On a expliqué ces fondamentaux. C'est un peu comme quand on fait des crêpes, on mélange des ingrédients, et puis ça fait une crêpe. Bon, chimiquement, il se passe un truc. Hein. Sans doute que ça s'explique, ça, pour le coup. Mais le cuisinier de base, il sera Ne pas connaît capable de pas, me bien dire sûr. si c'est jaune, voilà. Il sera pas capable. Par contre, in fine, c'est bon. Quand c'est bien fait. Bah, le management perçu, c'est pas la valeur perçue, in fine, c'est bon. C'est bon dans la mesure où ça produit des résultats tout à fait extraordinaires. Voilà. Suis partant pour avoir des contenus là-dessus que je pourrais Ah partager, oui, mettre dans hein. les notes, etc. Si t'en as, si t'en as à partager, c'est avec grand plaisir. Avant de passer aux questions de fin, peut-être que ce sera dans tes réponses de questions de fin sur le contenu qu'on partagera, à part si t'en as d'autres à partager. Juste pour revenir du coup à la partie RSE. Donc, quel rôle, c'est une question très globale pour finir, mais bon, c'est juste pour faire le lien entre le début et la fin. Mais du coup, quel rôle va avoir la RSE maintenant? Quel rôle a la RSE maintenant dans tout ça, disons? Qu'est-ce que tu priorises maintenant, disons, pour les directions qui pourraient nous écouter et pour ceux qui sont intéressés par ces sujets-là à mettre en place dès maintenant au sein des entreprises? Bah, la RSE, elle doit passer d'une RSE de compliance, hein, majoritairement compliance, à une RSE de transformation des modèles. Ça, c'est ma perception, hein. Et donc, d'établir d'abord, de donner envie, d'avoir envie, comme disait Johnny, hein. Donc, il faut déterminer des récits qui donnent envie de bouger, de changer de modèle d'affaires, quitte à gagner un peu moins, mais de gagner en résilience et en durabilité ce qu'on va perdre en profitabilité. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est de durer. Et de donner envie aux gens d'aller vers ces modèles régénératifs, contributifs, parce que ça, c'est ça qui rend heureux en réalité. D'abord, un, on fabrique des trucs qui sont utiles, et les gens aujourd'hui, ils ont envie de travailler dans des entreprises qui fait sens, qui confond pas progrès technologique et progrès humain, quoi. Donc on a besoin de réenchanter le futur avec des récits qui montrent qu'on peut créer la valeur différemment, tout simplement. Et donc, l'objectif de la RSE de demain, ça serait une RSE de transformation de modèle pour aller vers précisément l'entreprise contributive régénérative, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, la régulation, c'est la voiture balai du système. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de régulation, moi, je pense qu'il en faut plus de régulation. Mais il faut la régulation de l'essentiel. Donc, il faut intérieur. Au lieu d'essayer de faire des trucs sophistiqués et la bureaucratie comme on essaye de faire aujourd'hui, ben, prenons des mesures radicales. Dire voilà, on va baisser le poids des voitures, voilà. Il y a des mesures radicales à prendre. Il faut les expliquer beaucoup mieux que ce que le gouvernement a fait ces derniers temps, notamment avec l'histoire de la taxe carbone qui avait déclenché les gilets jaunes. Voilà. Là, il y avait quand même singulièrement un manque de pédagogie, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, je pense, c'était démontré lors de la Convention citoyenne pour le climat, que si on opère un choc de la pédagogie doublé d'un récit des essentiels, avec des imaginaires qui donnent envie, dans lequel on aime se projeter, on veut aller vivre là-bas, dans cet imaginaire-là, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à embarquer tout le monde. Voilà, ça doit servir à ça, la RSE, des années qui viennent. Moi, en tant que président du C3D, c'est ça que je vends à mes membres. Est-ce qu'on va y arriver? Ben, j'en sais rien, mais comme dire l'autre, hein, un con qui avance va toujours plus loin que 10 intellectuels assis, et moi je suis vraiment vraiment parti des je fais vraiment partie des cons. Je vais terminer sur cette magnifique phrase, Fabrice, en commençant par enfin, en faisant les trois questions de fin. Donc, à savoir d'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager? Oui, alors j'en ai plusieurs dans la tête, mais il y a beaucoup de bouquins qui m'ont marqué, mais celui qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est Le bonheur était pour demain de Philippe Biwix, un livre remarquable. J'ai adoré aussi Tout peut s'effondrer, bien entendu. J'ai adoré aussi Ralentir ou périr de Timothée Parry plus récemment, qui est juste un bouquin essentiel, extraordinaire. Et puis la bande dessinée, bien sûr, de Jean-Marc, Jean Covici, Un monde sans fin, mais que tout le monde connaît. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est ceux qui m'ont le plus, c'est ceux-là. Et quelques podcasts, c'est ce que j'écoute beaucoup de podcasts quand je cours. Il y en a un qui m'a complètement bouleversé, c'est le podcast de Jean-Baptiste Fressoz, hein, il n'y a pas très très longtemps, sur La transition n'aura pas lieu,
qui est juste remarquable de lucidité hein, sur l'histoire des transitions. Hein. Tous ceux qui parlent de transition devraient écouter le podcast avant de continuer de parler de transition, ça devrait les calmer. Et puis un autre podcast que j'ai trouvé tout à fait remarquable, c'est celui d'Aurore Stéphan, Thinkerview, le premier de Thinkerview d'Aurore Stéphan sur les ressources. J'avais déjà été sensibilisé sur ces sujets par Emmanuel H. et Pitron et Biwix, mais cette jeune femme l'explique très bien. Et ça montre un peu les ordres de grandeur et le fait qu'il faut arrêter de rêver éveillé avec ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique, numérique, etc., qui n'aura pas lieu, enfin pas en tout cas dans la forme où c'est présenté aujourd'hui par les industriels. Donc voilà quelques contenus. Maintenant, bon, il suffit d'acheter mon livre. Et à la fin, on met énormément avec ces lignes de référence bibliographique de livres que on a tous lus, soit elle, soit moi, souvent beaucoup les deux, et qui nous ont inspirés pour écrire ce livre. Donc, de toute façon, un livre, c'est jamais le fruit de sa pensée géniale. Hein. C'est surtout, on a été picoré nombre de concepts et d'idées à droite, à gauche. Et puis on a essayé d'en faire quelque chose de cohérent. On n'a pas du tout la prétention d'avoir tout inventé. Sur le sujet, avant de passer à la question d'après, sur des contenus sur le management, dont on parlait juste avant, management valeur perçue, l'immatériel, Bah, etc. tout ça, c'est issu des idées des entreprises libérées. Hein. C'est pas un truc nouveau non plus. Hein. Moi, mon mentor là-dedans, ça a été Marc Bellech et Jean-François Zobrist, où il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui traînent sur le web, où il explique ce qu'il a fait chez Favi, et qui est tellement applicable dans 99% des entreprises qu'on se demande pourquoi on ne le fait pas plus. Maintenant, ça nécessite aussi d'avoir des leaders qui pensent comme ça. Il y en a tellement peu. Donc ça, c'est un peu le point faible de ces entreprises-là. C'est que ces entreprises-là, si elles arrivent à mettre en place ces approches-là, c'est parce qu'il y a un management de classe mondiale au plus haut niveau. Et aujourd'hui, on a plus affaire à des managers gestionnaires qu'à des managers leaders qui entraînent et qui donnent envie d'agir. Le leadership, aujourd'hui, a beaucoup disparu des grandes organisations. Il n'y a plus de leadership, il y a de la gestion à la place, qui est quand même beaucoup moins fun, il faut reconnaître. Sur la seconde question, Fabrice, est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Bah, pour agir, il faut se former. Moi, ce qui m'a fait prendre conscience et accélérer ces dernières années, c'est la prise de conscience. Et c'est ultra complexe. Donc, j'en veux pas à ceux qui sont pas encore complètement matures, parce que moi-même, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Donc, c'est complexe. Alors maintenant, bon, on a peut-être moins d'excuses, parce qu'il y a quand même plus de preuves, et surtout maintenant, on le ressent dans nos chairs, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. On le ressent, le changement climatique, on voit bien que ça part en couille de partout. Donc, l'attentisme est moins excusable. Mais malgré tout, c'est quand même complexe. Donc, se former, prendre le temps de se former, il faut, selon Jancovici, au moins une trentaine d'heures pour bien comprendre les enjeux énergie-climat, il a raison. Sinon, on pense comprendre, mais on n'a pas compris. Et ensuite, une fois qu'on a compris, c'est s'engager. S'engager dans une association, s'engager dans des clubs d'alumni, s'engager dans les groupes de travail transverses de son entreprise, c'est s'engager, c'est pas rester à pleurer dans son coin, ça va pas le faire. Donc, c'est ce qui permet de maintenir un peu son mindset. Enfin, c'est de rester ne serait-ce que positif, c'est de s'engager. Parce que sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de raisons d'être éco-anxieux aujourd'hui. Hein. Et la seule façon de lutter contre son éco-anxiété, que j'ai beaucoup moi, c'est de m'agiter un peu, quoi, d'essayer d'entraîner mon entreprise parce que c'est son intérêt, d'entraîner ma communauté parce que c'est son intérêt. Et c'est pour ça que j'essaye d'être très actif, y compris sur les réseaux sociaux, pour faire partager mes idées. Au plus grand nombre. Enfin, j'ai bien conscience que l'algorithme me cantonne dans mon techno-cocon et que finalement je parle toujours un peu aux mêmes personnes. Mais quelque part, il y en a quelques-uns qui débordent, hein, et il y a quelques personnes de plus qui rentrent dans le cercle. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire pénétrer ces idées, enfin, à les faire pénétrer plus profondément dans la population.
Donc voilà, moi, je n'ai pas de leçon à donner à personne, je ne suis pas meilleur que personne. J'essaye d'être sincère, c'est déjà un boulot à temps plein. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Ben, ma co-autrice qui a plein de choses à dire sur son métier déjà, son métier de son agence, sur ce que c'est que la communication responsable. C'est une vraie experte, l'une des meilleures expertes françaises sur ce sujet. Et qui pourra vous donner le complément de tout ce que je vous ai dit là, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Elle a une sensibilité de chef d'entreprise, hein, pour le coup, ce qui n'est quand même pas singulier, hein. Non, je vous recommande de l'inviter. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci Fabrice pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre? Bon, sur LinkedIn, sur Twitter. Oui, je suis pas un petit, je suis un petit peu. J'essaye d'aller un petit peu sur Instagram parce que ma fille m'y pousse, mais j'ai du mal. Je reconnais que j'ai du mal. Non, sur LinkedIn, je publie régulièrement. Je fais aussi des éditos sur LCI, TF1 Info tous les 15 jours que je relaie d'ailleurs sur mon post LinkedIn, enfin sur mon compte LinkedIn. Voilà, les gens qui veulent me suivre, c'est pas très compliqué, hein. Moi, je mettrai les liens, bien entendu, pour te suivre. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as partagé. Et au plaisir de d'avoir également Céline dans le podcast, dans un prochain épisode. T'as plus qu'à l'inviter. Voilà, merci.